Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au holster. Donc, j'ai sorti quelques types de holsters que j'ai en ma possession. Les bons vieux holsters tissus dits modulables. Voilà, avec des scratchs. Ça, donc holster de cuisse. Hein. Voilà, qu'on va pouvoir mettre à la ceinture. Et puis, avec ici un cran qu'on va pouvoir défaire pour dégainer son arme de poing favorite. Bon, alors ça, je m'en suis servi quelques mois, même quelques années. Et puis ça, ouais, ça me convenait de moins en moins parce que bah, les lanières, là, elles ont tendance un petit peu à se desserrer. Et puis j'aime pas avoir des choses au niveau de la cuisse parce que comme je me roule beaucoup par terre, eh bien parfois, on a le sol ou un arbre ou quoi que ce soit qui va venir taper sur la réplique, taper sur le holster et puis faire mal un petit peu à la cuisse. Ensuite, il y a ces modèles. Donc ici, c'est un modèle russe hein, en surpatte, donc de chez SRVV, avec des passants molles qu'on peut mettre sur un gilet tactique ou sur une ceinture. Alors ça, c'est pas mal. C'est un holster qui est censé être universel, donc vous pourrez mettre la plupart de vos répliques dedans. Et là, pareil, on a une pression. une pression balèze, voilà. Et voilà, on va dégainer. Bon, ça peut être pratique. Bon, ça... Là, sur celui-là, je l'avais vraiment acheté, surtout pour le camo. Ensuite, j'ai utilisé ce style de holster. Donc là, c'est un holster IMI Défense, holster de fabrication israélienne. Donc c'est un holster en plastique moulé. Donc là c'est avec l'adaptateur pour mettre à la ceinture, il y a aussi des adaptateurs pour mettre sur un gilet, hein, sur un cirasse, donc avec des passants molles. Et donc ici le système de rétention, c'est un bouton qui va retenir le pontet. Voilà, là je dégaine, là je rengaine. Donc votre réplique ne peut pas tomber normalement. Simplement il faut quand même actionner le bouton avec votre index. Il en existe pas mal de différents modèles. Simplement, si vous avez un Glock, eh bien, il faudra retravailler les holsters parce que les Glock RS sont plus fins que nos Glock Airsoft. Et enfin, j'ai en ma possession un holster en cuir, un holster de ceinture. Donc là, j'ai mis le Walther PPK. Donc ça passe large. Hein. C'est un holster qui est fait pour du 1911, du M9. Bon, c'est adaptable. Hein. Simplement, ce genre de holster, eh bien, il va falloir que le cuir se fasse à votre réplique, donc ça peut mettre un certain temps. C'est pas très grave, je l'ai vraiment acheté celui-là pour le look, et puis bon, l'occasion fait le larron, hein. Je l'ai trouvé sympa. Mais ça, j'ai envie de dire, ça peut être de l'histoire ancienne. Ce qui est un petit peu à la mode, c'est ça. Ou Kydex en anglais, bah c'est rien de plus que un polychlorure de vinyle acrylique, donc PVC plus acrylique. Ça va combiner les avantages et du PVC qui sont bah, la robustesse hein, et puis les avantages de l'acrylique, c'est à dire une très bonne rigidité et une bonne capacité à se déformer. Donc ça va être une matière thermoformable, on chauffe, on presse et on peut avoir la forme désirée. Alors effectivement c'est du Kydex, c'est un petit peu comme on dirait j'ai un frigidaire à la maison. Kydex c'est pas la matière, c'est la marque. Fabriqué et distribué par Kydex LCC aux États-Unis, en Pennsylvanie. La première utilisation à grande échelle et commerciale du Kydex date de 1965 pour faire les intérieurs des avions. La prochaine fois que vous prendrez l'avion d'ailleurs vous pouvez regarder les parois internes. Vous retrouverez ce granuleux là du Kydex, donc ça sera super, évitez de découper les parois de l'avion pour vous faire un holster. Et donc en 1987, l'entreprise a été rachetée par Kydex LLC, et avant que l'industrie de l'armement s'y intéresse, bah, c'était utilisé beaucoup bah, dans l'aviation, dans l'automobile, etc. Alors l'intérêt de cette matière, on l'a dit, c'est thermoformable, donc on peut lui donner la forme que l'on veut, c'est très peu inflammable. Alors, au standard UL94, qui définit un petit peu l'inflammabilité des objets, c'est un indice V0, c'est-à-dire
que si je prends le holster que je mets imbriqué en dessous, la flamme va stopper dans les 10 secondes et il se peut qu'il y ait des particules qui tombent, mais ce sera des particules qui seront non enflammées. Donc si vous êtes pris dans un incendie, c'est pas votre holster qui va prendre feu, hein, ça va être plutôt votre doudoune en 100% acrylique. C'est aussi très résistant aux éraflures. Voilà, je peux prendre mon ongle. Voilà, je frotte, bah écoutez, ça ne fait rien du tout. Hein. Là c'est pareil, il y a ce qu'on appelle l'indice Rockwell. Et bien, l'indice Rockwell de résistance aux éraflures est de 90, ce qui est quand même pas mal. Ça va vous permettre de passer dans des buissons ou de frotter des murs ou quoi que ce soit, et que votre holster ne soit pas endommagé par ces frottements. Donc ça aussi c'est un avantage du Kydex. Bien sûr, ça n'absorbe pas l'humidité. Je peux verser un verre d'eau dessus, ça va pas absorber et puis prendre 3 kilos, hein, ça va rester léger. Donc on parlait du holster en cuir tout à l'heure, là il n'y a pas besoin que le holster se fasse à la réplique un petit peu comme une chaussure avec votre pied. Vous allez directement glisser votre réplique dans le holster et il n'y a rien à faire. Vous pouvez remarquer également qu'il n'y a pas de bouton de rétention. La rétention va se faire naturellement au niveau du holster. Alors selon le fabricant du holster et le type de holster, la rétention va se faire un endroit différent, par exemple sur ce type de holster, ça sera au niveau du pontet, alors que sur celui-ci, ça sera au niveau de la lampe. Ce qui fait que vous ne pourrez pas utiliser spécialement le holster avec la réplique seule ou l'arme seule. Alors je dis arme parce que la plupart des fabricants de holsters en Kydex ne se cantonnent pas à l'airsoft, hein, bien sûr. C'est l'industrie de l'armement qui s'est emparée en premier du concept. Et puis nous autres, bien sûr, férus de matériel, on s'est rué un petit peu sur l'occasion. D'une part parce que ben il y a toujours des gars qui aiment bien quand ça fait RS, et d'autre part il peut arriver que les dimensions de nos répliques soient différentes de la vraie arme. C'est le cas notamment avec les Glock, j'en parlais tout à l'heure. Pas de bouton, c'est durable, c'est robuste, c'est solide. On peut en faire une multitude d'usages. Là on voit que j'ai des holsters, j'ai un porte-chargeur. On peut en faire aussi des étuis à couteau. Si vous avez une hachette, vous pouvez faire un holster à hachette si vous voulez, ou un système de retenue de hachette. Je vais en terminer avec le Kydex en disant que ça va permettre de faire des holsters assez low profile, hein, on va dire assez discret. Ces holsters, ils me viennent de chez Phoenix Tactical, qui est une entreprise espagnole. Donc c'est le boss de Phoenix Tactical qui m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de faire une review de ses produits. Il a fait l'effort de me demander en plus ce qui m'intéressait comme holster à tester, et puis ça lui a donné aussi l'occasion de créer un holster qui n'existait pas jusqu'à présent. Et bah oui, un holster pour le Phoenix 45. Et moi, ça m'a permis aussi de faire confectionner un holster que je n'avais pas. Un holster pour mon Glock 17 avec sa lampe. Et puis, ça m'a aussi permis de faire confectionner un holster pour le HK45. Donc, on revient sur Phoenix Tactical. C'est une entreprise qui a été créée en septembre 2013, donc en Espagne, et qui produit des holsters et pour les vraies armes et pour les répliques d'airsoft. Il y a deux grands types de holsters pour l'airsoft. Il y a les modèles Alpha, donc qui sont ceux-ci. Voilà. Vous pouvez les voir. C'est le modèle Alpha. Ces modèles Alpha sont des holsters qui sont prévus pour être portés à la ceinture. Donc ceinture de 3 à 5 cm d'épaisseur. Alors c'est mieux avec les ceintures type heavy duty, les choses comme ça. Hein. Type un petit peu pancake, hein, c'est-à-dire on va avoir vraiment deux crêpes de Kydex, deux plaques qui vont être formées l'une sur l'autre. Et puis on va avoir un profil vraiment très très près du corps. Là vous allez le mettre à la ceinture. Ici il n'y a quasiment rien qui dépasse, donc vous n'allez pas être gêné du tout par votre holster ni par votre réplique. Sur ce modèle on peut voir que la réplique dépasse, alors que sur ce modèle on voit que la réplique est bien protégée jusqu'au bout. Donc vous avez des passants de ceinture qui sont également en Kydex et qui sont amovibles. Voilà, si vous voulez mettre autre chose, si vous voulez mettre par exemple votre holster sur un leg panel, sur une plateforme de cuisse, et bien vous retirez les deux passants et puis rien ne vous empêche de mettre des clips comme ceci, des clips Malice. Je l'ai fait ici sur le porte-chargeur, vous voyez. Donc là, je peux utiliser le porte-chargeur, je peux le mettre sur un gilet, je peux mettre sur un panneau de cuisse. Il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Ça nécessite très peu de modifications, voire pas de modifications du tout. Ici, je n'ai pas fait de modification. Donc voilà, les holsters Alpha. Les holsters Alpha qui sont faits avec des feuilles de Kydex d'épaisseur 0,8 mm
comme pour la plupart des holsters RS sur le marché. Ce que j'aime bien sur celui pour le HK45 par exemple, c'est que bah, je peux utiliser le HK45. J'ai un HK ici, USP full size. Il rentre dedans. Et j'ai mon petit USP compact, mon fidèle compagnon là. Et bien, c'est pareil, il rentre dedans. Voilà, on peut voir que la rétention se fait au niveau du pontet. Et on peut être mis la tête en bas, courir, il ne va pas se passer grand chose. Hein. Alors bien sûr, si vous secouez comme une brute, il peut arriver que la réplique s'en aille. Hein. Le deuxième type de holster proposé par Phoenix Tactical est le holster type Delta. Donc c'est un holster modulable qui peut se monter sur Serpa, sur plateforme CQC, sur un drop leg, sur un Sira, sur ce que vous voulez. Et qui est lui constitué, on l'a dit tout à l'heure, d'une seule feuille de Kydex. Et au niveau des vis ici, vous allez pouvoir régler la rétention. Donc si vous voulez qu'il y ait un peu plus de résistance, vous allez serrer. Si vous voulez un peu moins de résistance, vous allez desserrer. Ça va vous permettre de régler la rétention comme vous voulez pour votre réplique. Alors sur celui-ci, on peut voir que c'est fourni avec, avec les vis qui vont bien. Donc pareil, vous pouvez mettre soit des passants malice, soit comme ici, un passant de ceinture de type la coque hein, par exemple. Vous pourrez mettre ceci aussi, hein, c'est adaptable. Ou carrément un panneau pour mettre sur un Siras. Ça s'adapte avec très peu de modifications. Ici j'ai simplement dû rajouter une rondelle caoutchouc en plus pour avoir une bonne rétention. Je vous le disais en début de vidéo, le Kydex on peut faire ce qu'on veut avec. Donc là c'est un holster qui a été fait sur mesure et bien pour mon Glock et ma lampe. Il y a tellement de types de lampes différents, etc. Donc là c'est une GEP M3. Le point de rétention va être au niveau de la lampe, ce qui fait que si j'utilise ici un Glock Gen 4 Stark, eh bien il n'y aura bien sûr pas de rétention au niveau de la réplique. Par contre, si je mets la lampe, ici sur le modèle Stark, eh bien ça fonctionne. Et ici je vais pouvoir régler la rétention si je trouve que ça oppose trop de résistance ou pas assez de résistance. Je serre, je desserre les vis, le tour est joué. Et ici on va avoir la même chose pour le FNX 45. Parfait. Donc là voilà, si je trouve que ça manque un petit peu de rétention, vous voyez là il a tendance un petit peu à sortir. Je prends mon tournevis. Je fais quelques tours. Et là, il ne bouge plus. Et je sens que j'ai gagné un petit peu en rétention. Donc vous le réglez vraiment à votre main, hein, ce holster. Je termine avec cet accessoire, donc porte-chargeur double. Vous allez glisser votre chargeur à l'intérieur. Et puis bah, ça le tient, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est que sur un gros chargeur, par exemple comme sur le chargeur du FNX 45, on va se dire, waouh, il est énorme, il ne va jamais rentrer. Et bien en fait il va pouvoir rentrer parce qu'ici vous avez également une vis qui va vous permettre de régler le degré de rétention. Et ici vous voyez, le chargeur rentre, il n'y a pas de souci. Ici on va avoir vraiment, lui il tient, eux ils tiennent vraiment à faire une bonne définition. Voilà, vous voyez les détails un petit peu de la réplique en surimpression. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, la marque de fabrique de Phoenix Tactical, c'est qu'ils veulent offrir une très bonne définition à leur holster. Ici, on peut le voir aussi, on a carrément ici les stries de l'avant du canon du HK45. Donc après, on aime, on n'aime pas. Comme à peu près toutes les boîtes qui font du Kydex, vous pouvez leur passer commande et leur dire ce que vous voulez comme holster, et ils vous le feront sur mesure. Phoenix Tactical est une jeune entreprise. Pour l'instant, ils sont distribués aux USA et au Royaume-Uni. Il n'y a pas encore de distributeur en France. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours les contacter sur Facebook, il n'y a pas de problème. Le prix de ces holsters, bah, en France, vous ne pouvez pas vous le donner, étant donné qu'il n'y a pas de distributeur français, je viens de vous le dire. Donc aux USA, on trouve ces holsters à peu près pour 80$ pièce, ce qui fait à l'heure actuelle 65€, on va dire. Et puis,
au Royaume-Uni, c'est plutôt dans les 70 livres. Ouais, bienvenue dans l'espace européen. 70 livres, là, on est plus proche des 80 €. Hein. Autant quelqu'un qui veut s'offrir un bolster pour une arme ne va pas hésiter à dépenser entre 70 et 90 € pour un holster. Autant nous autres airsofters, parfois, ça fait un petit peu cher et on préfère acheter des trucs chinois à 15 € plutôt que d'investir. Donc si vous avez une demande particulière ou une commande à faire, vous pouvez très bien les contacter sur Facebook et puis dire ce que vous voulez. Normalement, ça ne met pas trop longtemps à être effectué. Voilà, j'en ai terminé avec cette gamme de holster Phoenix Tactical. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous chante. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, à bientôt sur l'entre du dingo. Bisous.